Et bien salut tout le monde, c'est Xvescu et aujourd'hui on se retrouve pour une aventure sur Kojima Stranding, Def Rally, Uberi, tout ce que vous voulez, bref. Bon, allez, quoi, faut y aller, ma lucette. C'est un... Voilà. Reviens-nous vite, Sam! On t'aime! Vive l'Amérique! Allez, faut y aller, hein. Ah, il y a un truc pour recharger. Bon, du coup, j'ai quand même curieux de voir ce qui va se passer maintenant, vu que... Apparemment, on peut donc... Cachez-vous de vos herbes. On peut donc renvoyer un truc sur la gueule des ennemis. Enfin, pour pas se faire spotter, du coup. J'aimerais juste accéder à ce truc de recharge là-bas, ça serait sympa. Ça serait sympa que quelqu'un puisse me remplacer. Ouais, j'avoue, ce serait bien qu'on puisse se remplacer juste une journée. Ça serait bien de prendre une petite pause, hein, mon petit Sam porté là. Vous savez, si vous avez un transporteur flottant mais que vous n'avez pas de marchandises lourdes à le charger, vous devriez essayer de monter dedans pour voir. Hein ? C'est complètement évident. Ouais. Vous voyez ça ? Ouais, mais au final. Ah, d'accord. What? En tout cas, s'il y a bien un truc qui... s'il y a vraiment un truc que j'aime bien avec Death Stranding, c'est qu'au final... C'est que ce jeu arrive quand même à un... Enfin, je dirais pas impressionné, mais bon. Ah putain, comment je sors du coup? Comment je sors? Comment je sors? Non mais, je m'en fous de ça, je veux sortir! Ok, ça passe. Allez, export. J'ai encore mes bolas ou pas? Il y a un gentil monsieur là-bas. Ah! Il y a plein de monde là-bas. Je vais y aller, si on peut. Je vais juste prendre ses ressources à ce connard en fait. Bon, je me suis fait spotter, il y avait absolument rien pour m'indiquer que j'allais me faire spotter, c'est dommage. On va juste retourner vers la ferme. Waouh, d'accord. Ah oui, d'accord. Oh bordel. Gat, je t'ai même pas eu toi. Ah, c'est mieux. Ah non. Ah bordel! Fais chier, hein! Ouais, je me barre, les mecs. Ouais, je l'ai eu. Pas aller là-bas. Vous allez faire quoi maintenant? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai envie de faire un truc. J'ai juste envie de tester un truc là. Genre, je vais aller récupérer leurs ressources. Et vous allez faire quoi maintenant, hein? Vous pouvez plus rien faire, hein? Vous êtes niqué, hein? Par contre, moi je vous ai bien volé. Ils m'ont bien volé aussi. Allez. Alors. Je vous ai niqué. Bonjour. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré de beau?
Poison standard. Non. Osef. Cadier privé. Ah, j'ai eu des bottes de mule. J'avais que ça. C'est pas terrible en vrai. Alors, placer dans le cadier privé. Allez hop. Est-ce que je peux fabriquer. Est-ce que je peux fabriquer le bolas? Ça coûte combien? 32 en résine et. Voilà. Un petit peu mieux comme ça. Franchement, j'ai envie de les voler. Oula, par contre, je suis un petit peu lourd là. Attendez un instant là. On est vraiment trop lourd là. On a vraiment trop de trucs, c'est un truc de fou. Je vais virer mes sprays comme maintenant. Les bolas, c'est bon. De toute façon, au bout d'un moment, il faudra quand même que je le vire. Non, pas toi. Ça là, les sprays comme maintenant. On va les placer dans le casier parce que personnellement, pour l'instant, c'est un petit peu con à dire, mais j'en vois pas encore réellement l'utilité. Enfin, si, j'en vois l'utilité, mais pour ce qu'on va faire là, on en a pas besoin, quoi. Par contre, aller attaquer les mules et essayer de récupérer un maximum de ressources chez eux, ça pourrait être sympa à faire. Si je pouvais aller plus vite. Bon, je veux que t'ailles dessus, Sam. Sam, je veux que t'ailles dessus. Remets-le. Attaché, voilà. Non. Putain. Oh, je déteste cette interface. Voilà. Okay. Hey, il y va. Eh, il faut spammer le X du coup. Un petit peu con, mais bon. J'ai des ressources là-bas. Un peu. De la céramique. Est-ce que je peux les récupérer tout en étant sur le truc? C'est ça la question. Absolument pas. Magnifique. Pourquoi il gazouille? Ça se quoi? Bah alors bébé, ça va? C'est bon. Très bien. Allez, fais un petit dodo. Voilà. Allez. Reste calme mon gros. Allez, reviens là. Je crois que je vais remettre ça sur mon dos parce que là, lui je pourrais même le porter. Enfin... Oh ça va, c'est presque plus lourd, c'est nice. Oh, j'ai tellement envie d'aller dans leur base à la con et de tous les voler là. Ils sont encore là-haut moi. Bon, je suis sacrément loin d'eux. Ah non, effectivement. Non, là, eh merde! Ah, ça va être pète couille ça par contre, sérieux. La zone est hyper grande ici, si j'avais une moto et une connerie d'un genre, ça aurait été parfait. Oh putain, et moi je me dirige carrément dans la gueule du loup là! Wow! Bonjour messieurs, waouh! C'est mal. Mais j'en masse ça. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Putain, vous venez à combien là, en fait? Oh putain! La merde loupée fait chier. Non ! Eh, rends-moi ça.
Lâche-moi, gros! Qu'est-ce qu'il y a, hein? Vous voulez pas sortir du truc, là? Non? T'as pas envie? Gros! Sors! Mais oui, grosse blague, ça. Quoi? Ah, mais on peut les tuer? Hey, salut! Je me tire! Vous allez faire quoi maintenant, bande de cons? J'ai votre véhicule! What? Ouais, bien sûr, je peux plus entrer dedans maintenant, sinon c'est pas drôle, hein. Je fais comment parce que là. Oh, bordel! Oh, le véhicule est disponible, bien sûr. C'est pas drôle. Je vais vous mettre des coups de pied dans la gueule là. Tiens! Petit con là. Tiens! Attends, je tape ton pote! Attends, bouge pas, bouge pas. Je peux pas le taper par contre, c'est cool. Ta gueule! Bim! Quoi, tu veux venir toi aussi? Bim dans ta face! Allez, je vais me tailler avec le véhicule maintenant, s'il vous plaît. Putain. Monte! Merci. Allez! Ta 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 lam! Bom 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 bom! Ah, mais en plus, le véhicule a une durée de vie aussi. Non, de rien. Bon, par contre, faut savoir. Faudrait déjà savoir par où on va aller en fait, ça serait peut-être bien déjà. Bon, ça va. On n'est pas spécialement très très loin. Espérons juste que ce genre de véhicule passe. Oh, mais c'est génial! Ben voilà, on peut piquer les véhicules, c'est sympa à savoir. Ah mon Dieu, c'est lent. Ah non, ça va, il y a un boost. Parce que Dieu sait qu'on va en avoir besoin ici, je pense. Oh non, il pleut. Bon, l'avantage, c'est que ça a l'air quand même plus utilisable que la moto. Ce qui est pas plus mal. Oui, je sais que la batterie est en train de se vider, de toute façon, je veux juste l'utiliser pour aller d'un point A à un point B, c'est tout ce que je veux, là. Là, je peux pas mettre une batterie portable à l'intérieur. Oh, t'es sérieux? C'est en train de galérer là-dessus. Réalisme! Allez! Oui, je sais que la batterie est presque vide, c'est bon, c'est pas peine de me le rappeler. Je sais, merci. Bah oui, logique. Par contre, les batteries, laisse tomber quoi, quand même. Hein. C'est quoi cette batterie Made in China là qui dure. Qui dit que ça va durer une heure, mais au final, ça dure 5 minutes. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment, une fois que la batterie est morte, c'est vraiment plus utilisable. Tu peux récupérer au moins? Voilà. Bon, allons-y.
Oula, c'est super mal agencé ça. Hop. Voilà, c'est mieux. Bon, allez, on rentre à la maison. On va pas rentrer tout de suite à la maison finalement. Attendez un instant, il me faut une monster. Et vite. Ça, très important. Alors, où est-ce que je devais me rendre encore? Ah, il y a un pont là-bas. On va aller vers le pont. Ça me paraît être une alternative plus sûre. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir construire des équipements qui vont durer plus longtemps. Parce que mon dieu, que c'est une plaie dans le cul. Hein. Voilà, il y a plus de pluie en plus, magnifique, on n'aura pas les échoués à affronter. Par contre, il y a de fortes chances qu'on se trouve dans une zone de mule. Même si je n'ai pas regardé où est-ce qu'on était. Je suppose que le problème ici, c'est de pouvoir descendre. Ouais, c'est effectivement le problème. Bon, au moins ça va servir. Hein. Allez, on va descendre par là-bas. On va y profiter de ce beau pont. Même si j'aurais pu passer par le côté, mais bon, c'est pas grave. Ça ferait un biscotto pour Sam. C'est tellement mal agencé le truc. C'est marrant qu'on est dans cette zone, bizarrement ça... Il y a un truc pour recharger la batterie là-bas? Non, c'est pas un truc pour recharger la batterie, ça. C'est pas bon que je vois aller encore. On va juste éviter de... tomber dans un piège. Par contre, est-ce que je peux voir sur ma map où est-ce que j'avais laissé la moto? Absolument pas. C'est con ça! Un pont en ligne, ouais. Donc, je ne peux pas savoir où est-ce que j'ai laissé ma moto. C'est un truc de fou quand même! On va essayer d'aller là-bas. Faut aller recharger les jambes. Allez Sam, je crois en toi gros. Je te jure par contre que si tu te tôles la gueule ici, je pète un plat. Enfin pas un plat mais un plomb. Putain, avec tous les kilomètres que j'ai parcourus, je devrais avoir des jambes à Schwarzenegger quand même. Et un gros corps d'athlète bien sûr. Bonjour. J'ai toujours aimé. Bon, ça va, le câble c'est bien. Je vais quand même vérifier que j'ai bien mis le marqueur. Allez, marqueur c'est bon. C'est dommage qu'on voit pas les marqueurs en dehors du fait que quand t'appuies sur L1, hein, quoi. Du coup, c'est un petit peu casse-couille pour regarder. Voilà. Sam, saute! Merci. Je suis Sam Porter. J'adore porter les choses. Avec mon ami Koji, on adore se toucher la bite. Continue. Tellement bon, accroche-toi. Tellement sensuel qu'on en met. Bref, plus tard. Oh ouais! Bon, je pense que cette personne mérite un max. Quelqu'un! Je vais mettre des likes! J'ai déjà mis des likes dessus? Ok. Bon, next! Alors, on va aller par là.
Ok, on va commencer vers la mer. Vers la plage. Vers quelque chose qui me permet de faire des choses. Ah, Sam. Non mais c'est sérieux là. Allez, mais saute bordel. Les bottes des oiseaux ont une commande. Yay. Ah. Je crois que c'est par là la partie la plus simple. Oh, Sam, putain. En fait, il y a pas mal de cailloux là-bas. On va se calmer. Tiens, t'immobilises parce quoi? Ah ouais, ok. Allez, on y est presque, ma Lucette. On va enfin pouvoir se téléporter, je pense. Enfin, j'espère. Ok, fait une petite pisse là. Enfin à la maison. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Arme détectée. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Accès autorisé. Bienvenue. Ah ben moi tout aussi. Bon, c'est quoi la mission? Déjà, attendez, casier privé. Le bolas, je pense qu'on peut le recycler. Quoi, c'est tout ce que j'ai? Mais pourtant, on dirait que j'ai tellement plus, quoi. Pourquoi est-ce que les casiers privés ne sont pas partagés, quoi, entre les trucs, quoi? Ah, est-ce que je peux faire un don, mais récupérer des marchandises, c'est quoi ça? Ah, tellement rien d'intéressant. Et hop, ça va au recyclage. On s'en cogne. On s'en double cogne. Récupérer des matériaux. Ah oui, d'accord, c'est ça si je veux. Bon, ah, commande de livraison standard. Oh yeah! Je suis un déménageur, waouh! Truc de fou. Ah. Bon, on va se faire un petit dodo quand même, hein. Histoire de se remettre d'aplomb, on va dire. Nous apprécions beaucoup. Nous apprécions toujours votre bon travail, monsieur Sam Porter Bridge. Alors, j'ai quand même regardé parce qu'on sait jamais que j'ai une cinématique ici, hein, genre il fasse un rêve ou autre. Et ça me fait un gros dodo. Pense à ta sœur. Eh ben non. Le stock de munitions de Sam a été reconstitué, hein?
Attendez, ça veut dire que si je prends des bolasses par exemple, et que je viens dormir. Merci pour votre générosité. Ok. Allez, douche time. Je suppose que je vais avoir des nouveaux trucs. Hein. Parce que bon, ça fait vraiment que je suis pas allé me laver. Ouais, je m'en doutais. Voilà. On va faire un petit popo assis. Et hop. Et pas de grenade. Ok, c'est pas grave. Allez, on va quitter la chambre. Allez, un petit lien avec bébé là. Un petit lien avec bébé, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Non. Pff. Putain. Alors. Accepter les commandes. Urgent. Ah. Ah, ça sera pas accessible avec la moto, je pense. Hein. Ah, matériel fragile, magnifique. Sam, parfois d'autres porteurs vont ramener des véhicules de Bridges au garage. Ils sont à tout le monde, alors surtout, n'hésitez pas à les utiliser. Quoi? J'ai 45 minutes! Magnifique! S'il y a bien un truc que je déteste, c'est me faire presser par le temps. Sam, ici Fragile. Bien qu'il se fasse maintenant appeler le ferrailleur, votre client travaillait avant dans les communications en tant que réparateur. Il pouvait tout réparer, de simples réseaux sans fil, jusqu'aux composants intégrés du réseau civique. C'était un homme bien, et c'était un plaisir de faire affaire avec lui. Mais après l'attaque du côté de la ville relais du Sud, il était plus le même. Je peux pas lui en vouloir. On lui a donné un paquet de raisons de se méfier de nous. Ok. Vous lui donnez un paquet de raisons de se méfier de nous, et moi comment je passe ça? Les corps pour descendre les surfaces à peu. Oui, ça je sais, merci, mais y a pas un autre moyen? Ah, laissez-moi deviner, il faut un bâtiment que je passe par là, c'est ça? Putain. Merde, ça servait à quoi que je commande au final? Ah, mais attends, je suis baisé là. Je suis baisé parce que j'ai rien. J'ai utilisé mon dernier truc, attendez. Ah, vas-y, je l'ai utilisé, merde! C'est pas grave, on trouvera bien une solution. Puis on va contourner un petit peu. Ah! Là, il y a d'avoir un truc sympa à faire. Sans se faire spotter par les mules. Mais c'est une blague là! Recule ça. Mais sérieux, comment tu veux faire les sauts dans le jeu quoi? C'est tellement casse-couille. Ouais, exactement ça que je voulais. Nice! Sinon, tu roules un jour? Encore un putain de... Ouais. Oh le cul. Bon, mais je m'en fous, je suis à moto là. Hein.
Wow! Et voilà ce qui est arrivé, devait arriver. Ah putain, j'en montre comment maintenant. Calme-toi, bébé. Oh. Oh. Avec un bon maniement, ça serait tellement passé crème, mais. Oh là là. Bébé, calme-toi, s'il te plaît. Ouais, j'avais des ans. Chut. Bon, tant pis pour la moto, hein, c'est pas grave. Hein. 300. Allez, monte. Attends. J'ai dit que t'étais totalement incapable de faire ça, là. Voilà, nickel. Mais putain. Allez, salut les mecs, vous allez faire quoi maintenant? Allez! Sayonara! Ah, merde! Pas sayonara en fait. Un petit peu dans la main. Waouh! Eh, mais calmez-vous là! Oh! Qu'est-ce que je vous ai fait? Tac! Vous vous rendez compte que c'était juste un petit saut quoi? Ils viennent quand même pas de passer le truc, hein. Il y en a un qui a passé le truc, magnifique. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Allez, on va y arriver. En fait, ça pourrait te faire chier, tu spammes le bouton, non? Ça va bien passer. Ah là, ma belle moto. Sniff. Oh là là, c'est quoi cet Audi? J'espère qu'il y a de quoi se reposer quand même, hein. Voilà, vous allez bien? C'est qui a pas eu toutes ces marchandises là? C'est quoi, on va tout utiliser? C'est marrant parce que j'ai toujours l'effet brillant, mais bizarrement il y a des trucs que je peux pas. Regardez-moi ça! On dirait une tour de Pise là. Livraison. À cause d'abrutis de terroristes et de leurs potes de chez Fragile Express, sans parler des connards de Bridges qui ont foutu un coup de pied dans la fourmilière. Enfin bref, voyons la marchandise. Vous avez été rapide? Ben c'est normal après tout. C'est votre boulot, non?
ce qui me concerne, vous, les porteurs, vous valez pas mieux que les terroristes. Tous autant que vous êtes. Dites ce que vous voudrez, vous me ferez pas changer d'avis. Alors dégagez de ma vue, vous et votre cupidon. Voilà qui est un peu plus clair. Je pense que si on veut gagner la confiance du ferrailleur, il va falloir qu'on découvre ce qui est vraiment arrivé à cette femme dans l'hologramme. Apparemment, il pense qu'elle est morte dans l'attaque. Mais on a consulté les archives de la ville relais du Sud, et on n'y a trouvé aucun certificat de décès correspondant à sa description. C'est pourquoi j'ai demandé à Fragile de mener sa propre enquête. Hey Sam, je parcourais la base de données de mon ancien client, juste au cas où je trouverais notre fameuse femme mystère. Et à ma grande surprise, j'ai trouvé un résultat très proche. Visage et voix. Elle est toujours vivante. Notre ami ferrailleur la pleure pour rien. Toutefois, je doute qu'il nous croit sur parole. Attendez, il vient de publier une nouvelle commande. Il essaie sûrement de nous déstabiliser. Le mieux est encore de vérifier le terminal de livraison pour voir ce qu'il veut. Au travail. Nouvelle commande disponible. Veuillez accéder au terminal. Le problème, c'est que je peux pas mettre toutes les marchandises que j'ai chopées à cause de ce con. Donc, du coup, je vais les mettre. En fait, non, je crois qu'elles sont mortes en fait. Ouais, des chargeuses, c'est pas grave. Bon, on a pas besoin de tout ça en vrai. Donc le mec veut que j'aille lui chercher 60 kilos de marchandises quand même. Hein. Pas 10, pas 20, 60. Parce que t'as cru que j'avais que ça à foutre, petit enculé. Bon, on fera ça au prochain épisode, je pense. Hein. Allez, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la... attitude. Comme d'habitude, je joue au cul. Vous connaissez la chanson, vous connaissez le dicton. Je vous laisse. Je fais plein de poutes partout. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao, bye, bouti bouti. Et que l'amour du pédobia soit avec vous. Peace.